On est arrivé à la ferme, on se gare carrément dans l'enclos où il y a les ânes. Je me mets comme ça? C'est bizarre. Oui, je caresse des ânes par la fenêtre. Pas qu'il rentre sa tête. Oh, c'est trop bizarre. Bonjour. Oh putain, j'ai peur. On a l'impression que Pagnala vient, elle paraît qu'on fout. Il y a tes ânes. Là, il a une tête de con quand même. Mais grave. Coucou les copains. Peut-être ils ont senti que je faisais cuire les carottes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais cuire les carottes. Ils vont rentrer. Elle est choquée. Des moutons, des ânes. Regarde, il court, mon gars. Il est content, ce petit chat. Regarde. La comète, elle est garée en plein milieu des ânes. Il sent que j'ai peur, je pense. Mais non, vas-y. Viens. Viens. C'est pas un chien. Ouais, je sais pas, si j'avais parlé à un poney. Oh non. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Il est fais plutôt sur le nez peut-être d'abord un peu. Il y a les deux autres là-bas, ils se font des papouilles. Oui, je ne sais pas si vous connaissez ma passion pour les oies, car je m'étais fait bouffer le dos par une oie il y a quelques mois. Alors je déteste les oies. Est-ce que tu te laisses caresser un peu, non? Il veut pas, il refuse tout contact amical et amoureux. On dirait qu'il a envie de communiquer avec toi. Il a reconnu que tu étais de sa famille. Viens, 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 viens. Viens, viens. Il aboie pas, c'est pas un chien. Hein. Clocharde. Allez, viens. On voit ses dents. Oh non, il a morvé. Oh non, il a choumé. Oh, il a morvé partout. Pris en flagrant délit, mon pote. On a acheté du sirop. Il y a une boutique à la petite ferme des tomates. Ils nous ont offert des boules de mozza qu'ils font ici. Ouais, c'est super gentil. Mais ça, du coup, on n'ose plus rentrer parce qu'on est attendu. J'ai peur pour du vrai. B, c'est trop. Toujours c'est trop. Il y en a partout. Ça m'impressionne. B, il me pousse. Mais je te jure, ça m'impressionne. B, j'ai peur. Ah, il me mange. B. Je me suis déjà fait taper dessus par une vache une fois, c'est bon. Ils nous ont fait visiter toute la ferme, hein, ouais. Ouais, grave. Franchement. C'était super gentil. Auriez-vous un permis de conduire, la carte grise? S'il vous plaît. Ok. Ça va, pas d'alcool récemment? Non. Stupéfiant, ça vous arrive ou pas? Non. Jamais, cannabis, non, tout ça, jamais. Ok, ça marche. Ok, ça roule. Bonne journée. Merci également. Ah, c'est bon. C'est mon premier contrôle. À chaque fois qu'on revient de dehors, Nala nous attend à la fête de la cuisine, la grosse. Oh mon bébé. Elle a pas bougé depuis qu'on est parti. Nala. On dirait qu'il est empaillé ce. Mais non, Madame Moustache. Oh non. Mon amour. J'ai inventé un nouveau genre de raclette. C'est quoi? Alors ce ça truc? C'est le truc normal. On va. Et ça, c'est un truc de salle de bain, genre, pour nettoyer la douche. Ok? Ça ne rentrait pas, parce qu'il n'y a pas de cran ici. J'ai mis des élastiques. Oh, il est fort. Du coup, quand tu le mets, ça ne s'enlève pas. Oh, il est fort. C'est alors, multifonction. Ça, c'est pour nettoyer le pare-brise. Il est fourbe. C'est caca de bas sur le parking. Parce que je suis petite, ok? Peut-être que vous savez nettoyer le pare-brise sans ça. Même. Bah non, c'est pas possible. Et même le camping-car, d'ailleurs, hein. Tu peux le nettoyer avec ça. Ça va jusqu'au-dessus. J'ai déjà fait avec ça. Il est fort, il est brillant, il est brillant. Ça se voit qu'il est brillant. Il est appliqué, ce petit. Il est complètement fourbe. Et hop,
La raclette. Faudrait qu'il a toute sa vie bossé là-dedans, lui. Il est vitrier. Wouhou! Abruti. Il est passionné, ça se voit qu'il est complètement con. Oh, je l'aime. Il est partout, celui-là. Est-ce une place pour un chat? Sur la cuisinière. Elle a trouvé le seul endroit où il y a du soleil. Nous arrivons à destination plan d'eau du Canada, qui n'est pas au Canada. Non, on pourrait pas. Ah oui, avec le brouillard. J'ai pas du tout envie de rire. Vas-y, explique pourquoi t'es énervée. Comme d'habitude, il y a des endroits quand on arrive, on sait pas où on va se garer. Il y a des endroits on sait, direct. Mais des endroits comme ici, on sait pas. Regarde comment t'es fagotée. Non, mais ça me saoule, ça me saoule. Sérieux, on arrive, il y a un parking en bas. Un énorme parking, genre de 400-500 places pour les voitures. Il y a une barre à 2 mètres de hauteur. Donc voilà, première reculade. Deuxième reculade, il y a un autre parking pour les voitures, les camping-cars, tout ce que tu veux, mais il est fermé. Bien, très intéressant. La seule place que j'ai été trouvée, c'est ici. J'ai dû monter une côte comme ça et me prendre 10 000 arbres dans la gueule. En plus, les côtes, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou le camping-car, je n'arrive jamais à les monter. Non, mais sérieux, je comprends pas. Enfin, j'ai réussi, mais on dirait que le camping-car, il va crever. Ou moi. Donc, c'est bien. Arrête. J'en peux plus. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, moi, je déteste conduire. Je sais que c'est super paradoxal quand on a un camping-car et qu'on vit à temps plein dedans. Mais je n'aime pas conduire. Et donc, tout ça, à chaque fois que je dois déplacer le camping-car, c'est-à-dire tous les 2-3 jours, je suis en panique totale. Donc, j'essaie de faire un travail sur moi-même, de me déstresser, tout ça. Ça fait une vie que j'essaie de faire ça. Bah, j'essaie toujours. Qu'une tronche de cul, va. Hein. Je t'aime. Qu'une tronche de cul. C'est pas vraiment qu'on se dispute, mais comme ça, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Et en fait, chacune, elle a l'impression qu'elle a la vérité en elle. C'est vrai, non? Et du coup, on n'arrive pas à discuter. Genre, moi, je lui dis, c'est impossible, moi, je reste pas garée sur cette place. Et elle dit, ben oui, tu restes garée sur cette place, par exemple. Bien, nous avons beaucoup avancé depuis la discussion. T'es trop lourde, ça avance pas. Ça touche pratiquement le sol. Est-ce que t'es trop grosse, ça avance pas. Nous sommes actuellement au rayon chaussures du Leclerc. Raconte un peu. Ça fait genre 2-3 jours de suite qu'on vient tous les jours ici. Sur ce banc. Parce qu'on n'a plus beaucoup de 4G et il faut charger les vidéos de YouTube. Et bah, comme on n'a plus beaucoup de 4G et que notre disque dur est mort, on n'a plus de films sur l'ordi, donc on en télécharge blindé. Avec tes macaronis Eco Plus.